Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois sur Réaction. Réaction d'aujourd'hui, nous allons réagir sur ce qui se passe justement à la CENI et vous donner une certaine analyse et une certaine réflexion sur la situation aussi de la guerre qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo. Bandeko, d'entrée de jeu, que ce que nous connaissons aujourd'hui, et il ne faut pas le négliger, c'est une affaire d'identité d'abord, de nous reconnaître, nous Congolais, au niveau de l'identité. Alors, toza komona, c'est ni bazako sala makasi balobi bakende na ba élection. Et puis, nous avons suivi que non, ils ont réussi à peu près une affaire de 1 800 000 cartes d'électeurs qu'ils ont. Ils vont faire ça pour identifier les électeurs. Donc, ces gens-là vont se prévaloir avec une carte d'identité, hein, ça sera peut-être biométrique ou quoi que ce soit. Mais ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que nous sommes en train de tourner justement autour du pot. Nous ne voulons pas aller justement au fond du problème. Le problème, c'est qui se passe chez nous, c'est le problème d'identité. Toza komi ebate. Toko kende na ba élection denge nini soki Tolobito identifier par électeur. C'est-à-dire, si nous identifions les électeurs, il y aura une certaine partie de la population qui ne sera pas prise en compte. Partie de la population, on a donc tozaka ko sélectionner batou, toyebi bangote, to se dire kaka biso nyos tout tozaba congolais, mais tozomiye baté banani ango bazaba congolais. Il y aura même des Gabonais, des Maliens, de tout ça, ba identité, même ba Rwandais, msusu oyo, ba kozala kaka, na kati ya nani wana électoral. Donc, on est en train justement de tourner tout autour du pot, au lieu d'abord de commencer par l'identification de tout le peuple congolais. Problème nanga ezali ndenge nini? Ezali ke bino ba Congolais boza ko comprendre te ke toza ko tourner tout autour toujours na kati ya système wana oyo Congolais azo yeba te nani yango aza Congolais te nani aza Congolais. Toko kende na ba élection oyo boza ko mona mbilinga mbilinga na imbroglio oyo eza entreteni okoyoka ka ke oh non ministère ya intérieur baza ko identifier ba bato ba sala kana na l'état oh bato ba sala ka soki ba élève ba identifier bango ba pesi bango ba carte d'identité tout ça ba carte oh ya service na ebite soki bazo benga ngo ba carte de service ou quoi que ce soit, mais toute la masse congolaise ne se retrouve pas. Tout ça, c'est un problème identitaire au Nazako posé awa. Et moi, je dis que ce qui toza ko kende kana bulu ye ke kaka oyo to ko kende kana ba cycle nyonso wana ba bitumba oyo za na est ko si la te. Pourquoi? Parce que à l'est de la République démocratique du Congo to ebite ba creuser ba zala ka banani banani yango ba sala ka commerce te ba minere na biso ete ka makandenge nini qui va qui finance tout ça, c'est tozo tika la kaka na flou wana. Biloko na solution na ngweza linde yenin. Il faut que le peuple congolais s'identifie d'abord. Et c'est ça que nous sommes en train même de demander au gouvernement pour l'instant. Ya koloba ke bitumba oya est po esi la. Il faudrait identifier d'abord tous les congolais na kati ya ba territoire na bango. Toye baba nani yango bazalaka awa, banani yango bazaba ba congolais awa. Tozo tika la kaka na problème moko na kaka koloba ke no bo batu bazako bunda na est o M23 ezako ya ko sala boye. M23 yango banani. Est-ce que vous connaissez le M23, c'est qui? Mouvement wana eza kaka commandité tozo lo bakaka ke no eza ba étranger eza ba rwandais mutu bazako ko sala bazako profiter justement na problème identitaire à République démocratique du Congo. Donc l'identification est le problème de base qu'il faudrait d'abord résoudre avant tout le kanababilo kona mususu. Et nous avions dit que le gouvernement qui peut être un gouvernement salitaire, c'est celui-là qui s'attellera à ce problème d'identifier les Congolais. Yango wana soki toza identifié Tokoyeba ke non mutu aza congolais te. Il parle au nom de qui? Nani wa kosala bo? Tozo kende na ba élection. Siko toko kende na ba élection, bolobi bo identifie kaka bako ba électeur. Nous allons identifier le même personne qui vont venir encore nous dire que non, voilà, biso ne mutu kosala la bino bo biso. Nous excluons pratiquement toute la communauté congolaise, tout le peuple congolais. Tozo ko exclure bango carrément.
Et le problème continuera parce que le peuple ne cessera de jamais de combattre son identité et récupérer ses terres. Parce que ce que tu as to kadrier déjà problème wana identité, to koyeba ke nani nde mtu akoki kosala nini awa. Nani yango ko kosala ba élection, qui pourra être là? Ça sera facile même à kosala fichier électoral tant que tozana nani déjà na base ya nani ya identification à peuple congolais mobimba. Ya wana ngana lobaki na lobi, une fois que nous pourrons identifier les congolais et donner la carte d'identité aux congolais et les congolais puissent savoir que no biso nde mtu tozalaki a tozalaka awa, biso nde mtu toko choisir batu na biso baza boye baza boye baza boye. Aujourd'hui vous allez identifier les électeurs sur quelle base? Base ni n'ango boko identifier ba congolais. Et c'est ça que c'est le problème, le grand problème qu'il faudrait résoudre, c'est le problème d'identité, le problème de l'identification du congolais. Yangwana même ata Rwanda za koloba ke biso toza seriété parce que to koloba ke no to sala fichier électoral sur quelle base, sur quel congolais, qui est le congolais qui va voter? Ezaba o to ko identifier, ezaba o to ko pona, ezaba o to tolobika ka ba o ne mtu ba kozala ba congolais, ne mtu ba ko voter président. Ça ne sera pas, il ne sera pas légitime. Et là, kokaka naza koloba awa, il faut to bandana et bandeli. C'est-à-dire que recommençons tout à zéro. Mettons tous ceux qui sont dans les provinces, tous ceux qui sont dans les territoires, to ptia bango ensemble, to réfléchir sur une nouvelle constitution, to réfléchir sur une nouvelle identité à ba congolais, to ye banana nu ndenge nini tozali awa. To bandaka koloba ke no eza ba nani ba étranger mtu bazwa ko vame la biso a mtu bazwa ko ziba biso mtu pendant que c'est nous-mêmes qui vendons les or ba or nyoso tozo vendre ango tozo sala boy parce que ordre ezalité ordre wana ekobota mandenge nini to kotia ordre wana ndenge nini tant que biso moko to miyebite batu msuba zako benga nga balobi onga na za tribaliste na zolinga na tia tribu. Tribalisme e yaka justement na mbilinga mbilinga to miyebanite. Toza ko pona makabi so babi yonde oza Kongole, yonde oza Kongole te yonde za boy. Et puis même les M23 ils se disent que no bango baza ba Kongole to kende na Nairobi to kende kosolola. Na Nairobi nde to kende kosolola makambo ba Kongole. Tokende osola makamba ba Kongole na Afrique du Sud, il faudrait que nous puissions faire notre identification na masolo na biso to betelango na kati ya banani ya ba bituka na biso place tozali na Congo. Il faudrait que nous puissions résoudre le problème congolais. Le Rwanda a le dessus de sur nous, pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas. Et ils veulent à ce qu'ils puissent nous contrôler. Yango wana place toza ko kendele wana. Yango na zolo baboe. Lelo oyo, atato ke bu isiro, atato ke na buni, atato ke wapi, par-ci, par-là. Okoye bate, nani yango aza Kongole, te nani aza Kongole. Bon. Tozo créer kaka seni to lobi no bon seni to sala kaka boye parce que seni wana nde ko pesa biso to sala président na ko sala légitime ndenge akoya na consensus nini. Na consensus nini ngo to ko pona bato ba ko diriger biso. Biso tozo senga boye. Moi c'est ma réflexion aujourd'hui et j'ai réagi justement à tous les gens qui sont en train de me poser comme question lobi to ko sala yango ndenge nini. Nous avons dit ceci. Il n'y a qu'un seul Mzela moko o il faut to landa, il faut to luka consensus au niveau national, au niveau nanu territorial que to yeba ke non. Banani yango bazalaka awa. Comment est-ce que nous pouvons mettre les Congolais devant leur fait, devant ce fait ya koloba? Bomi yeba nanu bino moko. Bomi yeba, boyeba bouti wapi, banani bazalaka wapi, banani bango bazaba Congolais awa, basala boye. Nous avions dit que ce problème-là, si tokei na nzela ya koloba, to identifié po peuple Congolais, to pe sa carte d'identité na peuple Congolais, ba élection ko zalaka nango facile, parce que nous allons remettre chaque Congolais dans ses droits, devant ses responsabilités à koloba, au territoire, au eza ya bino, bino nde mtu boko bozalaka awa, ba carte d'identité na bino eza awa, mtu nini angwa kuhiko kota na na fichier électoral. Parce que fichier électoral est koya ko vanda likolo ya fichier d'identification ya peuple congolais.
Et c'est là nous allons tirer notre légitimité pour na kopona ba dirigeant na biso, pour na kopona bato. Biloko eza ko salema na M23 na Est à République démocratique du Congo, c'est une crise d'identité que la communauté internationale et même le pays voisin profite. Ils profitent de ça parce que okomona mutu akoya koloba bon ngai na ko financer bino na ko sala bino bosa la boye tout ça, c'est parce que il y a un désordre à l'interne. Nous devrions commencer d'abord à résoudre les problèmes que nous avons en interne avant to banda ko sala makamu susu. Le problème d'identification, elle est cruciale et elle est fondamentale dans la République démocratique du Congo. Dès tant que nous ne résolverons pas le problème d'identité, nous allons dire que nous sommes Mouluba, nous sommes Swahili, nous sommes Nyamulenge, nous sommes Boe. Et puis, nous allons dire que la réjection, nous allons dire qu'on se rejette parce que nous avons un consensus dans le niveau de base, dans le niveau de Congo. Nous allons dire que nous avons ordre. Ne cherche pas la piste ailleurs. La piste se trouve chez nous. Et là, quoi, n'est-ce pas qu'on n'est pas n'abîmé moko. Y'a moi n'est-ce pas qu'on l'a bino. En tout cas, attelons-nous à l'identification du peuple congolais d'abord. Makamounyo soana bokosala. Même si nous avons un nouveau président aujourd'hui, le président viendra, il sera téléguidé par une communauté internationale. Akobandaka koloba ke non, soki bosali boete, batumsusu bakola musaba M23 bokosala boe parce que toza ko contrôler pays n'abîmé mon côté. Imagine-toi tous ces chefs coutumiers, tous ces chefs de secteur, y a Kikivo, Namoni, Basala qui conférence de presse na Kinshasa, baza en exil, ils sont en exil. Et la force qui occupe là-bas, il est en train d'implémenter ces gens là-bas en causant encore une certaine cacophonie. Parce que même le peuple se trouvant dans ces territoires-là ne reconnaîtront pas les chefs qui ont été placés comme ça, parce que non, Bango Bayaki na Manduki. Nous appelons encore à notre gouvernement, pour l'instant, peuple congolais, tout se précipiter dans la élection haute et kozala pekaka bâclé. Parce que c'est ni wana toza ko sala ango to lobi, to sélectionné ba tout ça la fiche électorale, tout ça. Ça sera basé sur quoi? Baza rejeté ba kozonga kapé bango ba koloba ah binonde bo bosala ki boy biso peto kendo luka bato baza na mbongo ba financer biso to koyel susu na guerre mususu. Pourquoi? Parce que ils se sentiront aussi marginalisés. Résolvons d'abord le problème d'identité pour que tokende liboso de place wana ya wana zo senga même na ba parti politique, même les mouvements citoyens de combattre ko combattre ba réclamer nini to réclamer nini to réclamer. D'abord, identification à peuple congolais. Tous s'organiser dans ndenge ya ba territoire, dans ndenge na contact pro lave to zoloba. Organisons-nous au niveau des territoires pour que tous ala na consensus. C'est ça qui nous amènera à écrire une nouvelle constitution à Koloba. Voici comment nous allons marcher pendant les 5 ou 10 ans qui viendront. Tokobanda ko régulariser ba élection, mais ça sera basé sur une certaine identité na ba identité ba congolais au toza na bango. Et bah toi, il faut baser la consensus au niveau même à base, au niveau à bas territoire, au niveau à bas, y a bituka place nous autour basali. Et le Congo est suffisamment organisé en territoire pour que nakati à bas territoire, bah tu baye bani, oyazanani, oyaza chef, oyaza chef de secteur, oyaza administrateur de territoire nabiso, oyazanani, bah notable bah miye bien, bah miye bani, bah toi bah politicien bah zana parlement, to miye bani. Mais il faudrait que nous puissions nous identifier afin de transmettre le pouvoir na batwana localement pour que ba consensus e banda kozwa maka na kati ya bituka koloba ah OK awa toza 300,000 alors na 300,000 awa bato ba ko voter à partir à 18 ans nous les reconnaissons à partir d'une certaine base de notre identité. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire sur l'identité, l'importance même de Koloba Keno. Ba élection ezo koya et ko sale mapete parce que nous connaissons que ce que salemi et ko zalaka tozo répéter likambo oyo to koka ko sala te. Attelons-nous à l'essentiel, attelons-nous au problème fondamental de notre pays pour que tout résoudre le problème Ezako Salem. Mes chers amis, je vais vous demander une chose. Bosali Sangai, je vous demande vraiment de Bosali Sangai, abonnez-vous à cette chaîne parce que ba réflexion na biso Ezako Kende, na sens oyo ya kobongisa mboka na biso. Et puis ceux qui vont supporter la chaîne oyo en vous abonnant. Pour que visibilité y a ma vidéo na biso et kende moi liboso. Abonnez-vous, laissez les j'aime si vous avez aimé pour que tous à la kaka na biso. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et espérant que vous allez m'écouter et vous allez suivre
abonnez-vous nombreux sur Contact Pro Live pour que ba idée otoza ko émettre awa epanzana na ba congolais nyoso. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.